c'est la première bourse d'échange. Donc ça permet notamment de pouvoir mettre des visages sur les voix que nous avons au téléphone et donc notamment de rencontrer les collègues des autres offices de tourisme. On ne peut pas la rater cette étape parce qu'on collabore avec effectivement tous les points d'information de tout le département pour s'échanger nos documentations. On essaye toujours d'organiser nos flyers pour que ce soit prêt pour la bourse d'échange, parce que c'est vraiment un temps important d'échange avec les différents acteurs, mais aussi au niveau financier, en fait, de pouvoir venir distribuer les tracts et récupérer ceux des autres acteurs touristiques. C'est vraiment très très avantageux. Pour nous, ça permet aux offices d'avoir un document qui leur permet de renvoyer les touristes vers nos établissements. C'est toujours très intéressant d'avoir une rencontre humaine, d'avoir un contact au lieu d'un message téléphonique ou d'un message internet. C'est un petit peu la fête bisannuelle des offices de tourisme parce qu'on n'a jamais l'occasion de croiser nos collègues. Et là, c'est l'occasion d'échanger sur nos façons de faire, sur nos brochures et sur nos projets en cours. C'est une manifestation qui est très sympathique et on est en général bien content de venir à cette journée. Bien sûr, c'est l'échange des documentations. Donc, qui est déjà un gain de temps et puis aussi voilà, des envois. Puis c'est toujours dans une ambiance détendue, conviviale. Voilà, c'est très, très sympa, très facile en fait. C'est très précieux donc, pour le maintien des relations professionnelles avec tous les prestataires de loisirs et les offices de tourisme de la Savoie, voire même au-delà, hein, puisque des prestataires extérieurs sont invités. Jacques Opinel, je suis président du musée de l'Opinel à Saint-Jean-de-Maurienne. Je pense qu'une bourse comme ça est très très importante puisque nous participons depuis l'origine. On apprend à connaître les autres sites, on rencontre des gens et cet échange est très fructueux. C'est une journée très très importante. Je représente la coopérative Cultura Alpe qui gère deux offices sur l'Italie. Alors pour nous, cette bourse d'échange, c'est un moment de convivialité et des connaissances de nos voisins, les Français. C'est faire courage dans ce monde du tourisme qui évolue vraiment très très vite. Donc l'idée, c'est de présenter le territoire dans toute sa diversité pour quelque part collectivement inventer un nouveau territoire. Je salue à ce sujet son président. On a réuni cette bourse d'échange de documentation 110 exposants. C'est une bonne édition et au-delà de ça, on souhaite l'ouvrir pour en faire aussi un événement de promotion, comme une sorte de salon professionnel du tourisme, de l'offre touristique savoyarde.